Là, il n'y avait pas besoin d'une clé feu, par exemple. Ah, ah, les méchants sont revenus. Un petit peu de munitions parce que... Je vais voir un petit peu les munitions, tiens. Il y a une balle, j'en ai 6. Waouh! Ok. Attends, est-ce que ce serait pas en bleu parce que je suis dans la pièce? On va vérifier cette théorie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, l'autre clé-feu, elle était où? Ah, clé-feu égale briquet! Supposer, hein. Ce serait intelligent de leur part. Donc, c'est pour avoir le briquet qui permet d'accéder à la salle, qui permet d'aller pisser parce que c'est les chiottes, quoi. Normalement, c'est par là. Ils ont pas rajouté les zombies. C'est une clé feu. Sûr. Sûr, sûr. Bon, il y a le briquet. Il recharge. I'll go alone. Okay. Mais non. Come on. Okay. Oh. Ah, d'accord, c'est mon reflet que je vois. Je vois l'assistant du directeur le 2 septembre, ou encore une bande de stagiaires incompétents, ou le siège social des. Décote-t-il de tels idiots? Les uns sortent du lot, cependant, et c'est mon amoureux. William et Albert sont là, ceux-là ont de l'avenir. Ah, le bon Albert. Will l'intello et Al le pragmatique. C'est le jour et la nuit, ils se donnent toujours à fond. Ils ont tous les deux quelque chose de cruel et impitoyable. Ils sont géniaux, ils sont maléfiques. Et nous, on aime bien quand les gens sont méchants. J'ai reçu un appel inattendu du directeur. Il est court de méchant. Ils vont dire, voilà, ils donnent une situation. Et
Qu'est-ce que tu fais? Il y a une petite fille de 7 ans devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets un virus de saloperie, tu lui mets une balle à la tête. Il faut pas échouer, hein. Attention, c'est très important, les cours de méchants. Si tu rates, direct, c'est voilà, c'est élimination, hein, d'office. C'est un gros coef, hein, cours de méchants. Mais y encourager la rivalité entre deux. C'est bien la première fois depuis l'ouverture de ce centre de formation que Marcus s'intéresse à autre chose que ses recherches. Donc comme il le veut, les ordres sont les ordres, ils seront bientôt à couteau tiré. Je pense que oui. Ah. On va laisser... I'll check it out. Roger. Bon, tu vas te virer ta gueule, on est content. Tiens, regarde, tu vas te mettre là. Le classico. This way. Roger. Ok, l'aiguille en fer. Donc nous, on n'a pas le briquet. Mais peut-être que l'aiguille en fer permet d'accéder au briquet. On a eu des munitions, hein. Cela dit, ça c'est une bénédiction. Que ce soit de pompe ou de flingue. Dans les deux cas, on est content. C'est content, moi je suis content. On va faire le tour comme un sale. Je me trompe pas, il y a 6 boss, j'en ai déjà battu 2. Après il y a chauve-souris, il y a le tyran numéro 1. Tyran numéro 1, tyran numéro 2. Et puis après... Tout ça. Alors non, parce que je me souviens plus de quelle horreur. Les fichiers. Victor 15. Ah non. Ouh, oh, l'interface qui est bien lourde. Ouf, ouf, ouf. Vous sentez la lourdeur de l'interface? Ici en premier.
Bien, ça c'est pas mal. Une chose de faite. Raté. Ils sont teigneux ces sales bêtes. Hein. Teigneuses. Je crois qu'il y a du zombie. Un petit peu de zombard. Bon, on a récupéré des balles. Hein. Ils ont barre la pièce là où tu récupères. Non, tu récupères les ailes de l'ange. Ici. Là, je crois. Hein. Il me semble, je sais plus exactement. Je sens que c'est là. Voilà. Poème. La lune s'incline aux terres, la terre près de l'agence du soleil. C'est l'eau qui gouverne, c'est le soleil qui gouverne l'univers. Ouais, le pillage, chemin de la gloire, toutes nos forces associées ne peuvent à la porte du paradis. Mais... Microfilm B. Oui, avec plaisir. Ça, on est tous les deux en attention là. Ah non, en fait, on récupère pas. M'avait semblé. On a le poème, on a le microfilm, on a la lumière, on a la sono. Chiche, on s'en refait, quoi. Ayant une meilleure constitution que moi, je vais m'approprier la plante. Mais non, non. Alors, il nous faut le microfilm A. Enfin, une petite sauvegarde parce que j'ai peur. Et là, mes rubans en croix commencent à fondre comme neige au soleil. J'allais dire soleil aux neiges. Mais c'est pas grave. Ah, c'est combien? Ah, il en reste 9. Ah non, ça va. Commencer à aller là. Ici, c'est la galère. Hein. Ici, faut y aller, se dire que. On n'y retourne pas. Hein. Parce qu'il y a des putains de zombies. Les zombies avec les sangsues là. Et ça, c'est galère.
Voilà. On sort, on ne l'attaque pas. Hein, on le laisse se démerder dans sa... dans ses toilettes. Alors là, il faut surtout pas aller dans le couloir là-bas. Repelle mes chiens. Tu as écrit sur la photo des sièges. Et le disque mot. J'avais pas vu ton message des os. Pas de soucis, t'inquiète. Ah, dans le disque mot, il y a l'emplacement. Image sur le microfilm. Image sur la superposition de microfilm A et B, tout à fait. Les numéros apparaissent sur les sièges de la salle conférence. Et c'est là que t'es content d'avoir déjà fait le jeu parce que t'as pas envie de revenir ici. Ah, oh, 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 Billy, regarde. Oh, Billy. Ça, c'est pour toi, ça, Billy. C'est cadeau. Ça fait plaisir. Je crois que c'est tout, de toute façon. Ça fait un peu de chier d'utiliser du fusil à pompe. J'arrive de très loin, je suis en train de faire mon travail, le travail de mon patron. Comme tous les bons employés. Hein. Okay, ça, il reste ça. Il y a ça. Il y a... Oh! Ah oui, il y avait autant de... Non, on peut pas faire combiner, tiens. Ah si. Je vais me rendre le disque mot. Voilà. Et là, normalement, tout est pris ici. C'est parfait. Ça avance bien. De toute façon, il y a des sales bêtes hein, dans ce jeu, donc c'est un Resident Evil, hein, donc tu vas avoir peur si tu, si tu regardes. Je t'invite à ne pas regarder. Non, 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 tu tires pas dessus, t'es sympa, tu caches pas tes munitions sur un truc, un zombie qu'on peut éviter. Surtout ceux-là où il faut un milliard de coups de feu pour... Trop tard, j'ai vu. Ouais. En fait, c'est des sortes de zombies sans su, en fait. En fait, les sangsues te pompent le sang et prennent la moitié de ta vie ou des trucs comme ça. Enfin, c'est dégueulasse. Mais c'est mieux en journée que le soir dans le noir. Ah ouais, mais tu te mets dans l'ambiance aussi. Tu te mets dans l'ambiance. Petit T, tiens, petit T russe. Courage, toujours le courage. C'est ce qui caractérise ce stream, hein, le courage. Hein. Ah mais je l'ai sur moi. Oh là là, il faut aller dans le menu. D'accès 2D. Alors. Et c'est là. Le jeu. Il est excellent. Alors. Au niveau de l'énigme, les énigmes à deux sont vraiment assez sympas, je trouve, mine de rien. Non, non, mais... I'll go check over there. Ok. Oui. Je vais regarder dans, dans cette direction. Enfin, par là. Donc 2D, par contre, où est-ce que...
Où est le début, où est la fin? Alors là, je suppose que c'est la partie d'aller avec les machins. D'accord, ok. Donc, on retourne dans les fichiers. On retourne dans l'image de microfilm. Donc 2, ça va être celui qui est pour, je suis pour à côté. Et D, ça va être celui-là, d'accord. Donc, ok. Et le D devrait être ici, normalement. On peut aller à l'extérieur, on peut aller dans la pièce à la con là-bas. Il y en a 3 ? C'est où la troisième ? This way. Yeah. Non, ce que je voulais faire en fait c'est juste équiper le flingue en attendant. Fais voir ton emplacement, t'as encore 2 emplacements, j'en ai un. On peut aller les checker un par un les endroits. Il y en a un qui est dans le coin ici, je crois. Après, il y a l'extérieur qu'on pourrait voir d'ici. Et le dernier, il est où? Il y a l'entrée, il y a celui qui est dans la salle où on a tué le boss. Et le dernier, fais voir un petit peu la carte. D'accord, ici. Là, on peut... Et où il y a où la salle avec la salle bête, elle est là. Non, elle est pas là. Là, ici. Escalier qui mène ici. Et là, il y a un accès ici. D'accord. Là, il y a un accès, ok. Et le dernier, c'est... Ah mais oui, c'est là où j'étais. Bah tiens, on va commencer par ça. On va commencer par ça. C'était juste ici. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en avait une salle comme ça. Juste ici. J'ai besoin de chercher midi à 14h. Merci de m'aider, Billy. On va l'attendre. Deux pièces. Bon, bah, prenons celle-là. Il y a. À recharger mon ami. Ah oui, El Famoso. La fameuse. Ah, ça je le prends. Je vais laisser Billy le prendre par contre. Les grenades napalm. Alors ça, vous êtes content, moi je suis content. Le ruban encreur parce que. Un échiquier. La partie est sur un échiquier mat, tout à fait. Donc, nous avons tout à fait Thierry. Ouais. Tout à fait. C'est un échiquier mat. De la part des blancs.
Ah! Tiens donc. Un livre avec marqué mal dessus. Alors ça le mec, il a eu 2 sur 20 à son test de méchant. Mais non mais. Ah oui, il n'y a plus de place, d'accord, c'est ça. Autant pour moi, autant pour moi. Tu vas le ramasser, le livre du mal. Si l'autre il veut bien se bouger son cul, alors voilà, merci, merci. Le livre du mal. Oh, putain, ils l'ont appelé, ils l'ont bien traduit. Hein. Attendez, il y a autre chose. Journal de Marcus Niwa, le 4 décembre. Cher journal, je suis arrivé dans un mémoire qui fait très très peur. Non, c'est pas ça. Nous avons enfin réussi, le nouveau virus est prêt. Le virus nouveau est arrivé, ça c'est comme le Beaujolais. Les nouveaux virus, on est toujours content que ça arrive, mais ils sont dégueulasses. Voilà. Il est bien ce virus, il a un petit goût de banane. Ouais, c'est des fraises. C'est bien, c'est innovant. Nous l'avons baptisé précurseur. Précurseur, attention. Je veux le ramener et procéder immédiatement à des recherches approfondies. Le 23 mars. Spencer dit qu'il va montrer sa société. Qui va monter sa société. Moi, je m'en fiche tant que je peux poursuivre mes recherches sur précurseur. C'est sa vie. 19 août. Spencer me demande sans cesse d'être le directeur de son nouveau centre. C'est peut-être qu'une gestion d'affaires, mais son assistance devient vraiment intolérable. Ceci dit, il y a un moyen de profiter de la situation. J'ai besoin d'une administration spéciale pour découvrir tous les secrets du virus. En gros, personne ne viendra fouiner. Le 30 novembre. Woody Spencer, il est encore venu se plaindre aujourd'hui. Pour lui, le précurseur n'est qu'un moyen de se remplir les poches. Imbécile ! Imbécile ! Son influence s'accroît et cela ne peut que nuire à mes recherches. Si je peux développer précurseur, je dois aussi renforcer ma position. 9 septembre. Enfin ! Je trouve un moyen de créer un nouveau type de virus dérivé du précurseur. La source de l'ADN de Sansu, j'ai fait le progrès considérable. Je peux appeler ce nouveau virus T comme tyran. 3 octobre. C'est impossible, je ne peux pas progresser en expérimentant sur les simples rongeurs. Seuls les humains sont des mammifères acceptables pour ces expériences. Bah oui, bien sûr, c'est évident. C'est la condition sine qua non pour obtenir des résultats valables. Le 15 novembre. On dirait qu'il y a un soupçon, qu'on soupçonne quelque chose sur mes expériences. C'est peut-être que mon imagination. En tout cas, si quelqu'un fourre son nez dans mes affaires, il aura l'honneur de m'assister dans mes recherches. Je suis méchant. Le 13 janvier. Enfin, elles sont prêtes, mais des merveilleuses sangsues. Les faibles d'esprit n'ont jamais le privilège de goûter à tel sentiment de joie et de satisfaction. Je suis en mesure de m'occuper de Spencer. Bientôt, je contrôlerai tout. Moi, tout. 31 janvier. Dispositif qui protégeait mes travaux ont été dérangés. Il semble que quelqu'un recherche le thé et les inconscients. Ils sont au loot du groupe de Spencer. Le 11 février. Aujourd'hui, j'ai trouvé les preuves qu'on essaie de crocheter l'entrée du labo. Si c'est le cas, je dois trouver un moyen de régler le problème. Je devrais peut-être charger William et Albert de télécharger ces fouineurs. Innocent. Je n'ai confiance en personne d'autre. Innocent. Hormis mes chers sangsues, bien sûr. Mais Spencer ne pouvait pas en rester là. J'annoncerai l'existence du thé à la prochaine réunion et je récolterai le fruit de mon travail. Toute la réculté, c'est que tes deux hommes de main vont te trahir. Et bon. Dans l'option méchant, si tu trahis pas à un moment donné, enfin, tu prends Sarkozy, il disait en trahissant, tout devient possible. Ouais, donc, Sarkozy, il aurait fait un meilleur directeur que toi. Bon. Alors, le livre du mal, quand même, parce qu'on a quand même récolté un objet de quête. Attention. Examinons ça. Le livre du mal. Ouvrir le livre, oui. Oh, il y a un truc dans le livre du mal. Quelque chose dedans. Une aile noire. C'est Femto, les ailes des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ?
Mais on est plein là. Si on doit ramasser les trucs. Oula, 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 oula. Spray de soin, un machin. On dirait une sorte de substance chimique. Le mettre dans le mélangeur. Allez, vas-y. On met ça dans le mélangeur, quoi. Pourquoi pas? C'est tout. Alors. Est-ce que je prendrais pas une herbe bleue et je le mettrais dans le hall? Ce serait pas déconnant. Hein. Alors, sachant qu'il a plus de munitions, ça s'est libéré. Alors, il prend en une herbe bleue. Ah, tu te fous de ma gueule ou quoi? Hein? Ah, mais t'as un briquet sur toi! D'accord, je suis un débile. C'est un personnage qui a un briquet sur lui, bah oui. Et oui, mémé, t'es bien mouché. J'aurais pu chercher longtemps le briquet. Hein. Pourtant, ça nous empêche pas de continuer, hein, le jeu. Bon, à un moment donné, je pense que je serais bloqué quand même. J'aurais été bloqué. Je pense que l'endroit où il y a la flamme, là, c'est indispensable. Bon, ok. Petit coup de map. Ok, toute cette partie-là, c'est vérifié, c'est parfait. On peut aller bon, soit dehors, soit il y a un endroit. Ah oui, c'est pour accéder au. Voilà, là. Mais on va retourner dans le hall déjà, ça sera déjà bien. On a le. Les ailes des ténèbres après. Ici, normalement, on a terminé. Ici. Alors elle peut pas vraiment déposer les trucs. Parce que elle c'est l'armure sur pattes, on va dire. Par contre, toi. Voilà. Tu peux laisser ça. Aller à l'extérieur d'ici, je pense qu'on peut aller voir ce que ça donne, ce que ça dit. Oui, touche. Non. Yes, pas mal. Je suis pas sûr qu'à l'extérieur il y ait vraiment de trucs intéressants. On va quand même aller voir. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis ou des corbacs, des machins, des trucs, parce que ça va être chiant. Mais on peut aller voir. Je me souviens plus. Honnêtement, j'ai vraiment pas joué à ce jeu pour connaître. Il faut une batterie. Il faut une batterie ici, ok.
couper. Il y a un truc au-dessus, mais on sait, mais... Ouais, d'accord, il y a juste ça, en fait. Ok. Il n'y a pas non plus énormément de trucs à faire ici. Donc les deux autres endroits qui nous restent à vérifier, c'est l'autre endroit où on allait bloquer les chevaliers et l'endroit où il faut mettre un coup de briquet. C'est où? Le coup du briquet, c'est par où? Ok, je crois que c'est par là en plus. Hein. Là, il me semble qu'il faut une clé haut pour ouvrir le fond du couloir. Ok. Logique. On y va. Tout de suite, on va regarder les munitions, plus que 3 et Billy, plus qu'une. C'est pas ouf. C'est de violence. Salut Némé. Ça va? L'animation de changement de salle est flippante en plus. C'est le but. En fait, à l'époque, sur la PlayStation 1, ils n'avaient pas les ressources nécessaires, la puissance nécessaire pour pouvoir faire des enchaînements rapides. Donc en fait, ils se sont servis de ces petites animations pour faire écran de chargement. Et mine de rien, ça fonctionne plus ou moins. Il y en a qui disent que c'est une hérésie, que machin, enfin voilà. Et il y en a d'autres qui disent ça fonctionne très bien. Des grenades. On est content, vous êtes content, moi je suis content. Alors, j'ai compris. Chacun son métier. Ah, j'ai eu un succès pour avoir essayé de pousser alors que... C'est le puissant Billy qui va le faire. Bon, dans quel sens on pousse? Moi, je dis dans ce sens-là. Ce que tu fais... Livre du bien. Alors le livre du bien. Tac 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 tac. On va pas dire de bêtises. On examine. On l'ouvre et normalement il y a les ailes pour. Voilà. La statue du bien. Les ailes d'ange. Voilà. Oui, c'est les ailes d'ange. Rebecca Chambers. Putain, on est vraiment en galère de munitions là. Tu l'as fait toi, tu l'as fait toi les Resident Evil toi, Nemesis? Ah, on a dépassé les 9000 vues sur la chaîne. Bientôt 10 000. Pardon, j'ai pas entendu. Excuse-moi. Tu l'avais fait le. Tu l'as fait les Resident Evil, toi, Messi, si tu les avais fait. Je sais plus si on en avait parlé de ça ou pas.
Ouais, je sais que toi tu es fan des Tomb Raider, la première heure, mais je sais pas si on avait parlé des Resident Evil à l'ancienne. Oui, je l'ai fait celui-là, mais je me souviens pas trop. En vrai, c'est l'un de ceux que j'ai moins fait en fait. Commence dans un train dans celui-là. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Donc là, on a un accès. Par contre, on a quand même une salle qu'on n'a pas visitée. J'aimerais bien y aller quand même. On va sauvegarder, tiens, parce que là, on a bien avancé, mine de rien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas sauvegardé. Tu l'as déjà fait du... Tu as déjà fait du speedrun? Ah non, non, moi je fais le speedrun, c'est pas mon truc. Hein. Oh, qu'est-ce que je suis mauvais sur le speedrun? Ah, puis ça... Ça me provoque des choses. Ça me rend tout chose, quoi. Mais non, non, le speedrun, non, pas pour moi. Je me demande comme tu refais certains jeux et tu as l'air de bien connaître. Celui-là, je connais pas tant que ça. Hein. Il y a certains trucs qui m'ont marqué, je me souviens, mais tu me demandes par exemple de faire le 1 de l'époque ou le 5. Je les connais par cœur, quoi. Après, je dis le speedrun, ça me plaît pas en fait. C'est quelque chose qui me plaît pas, donc ça a rien de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Quoi. On va aller quand même visiter avant d'aller là. Hein, on va quand même aller visiter la salle qu'on avait déverrouillée, qu'on n'est pas allé voir. Je sais qu'il y a un public pour le speedrun, mais ça c'est pas ici qu'on va. C'est pas l'ambiance compétitive, tout ça machin, enfin trop professionnel, tout ça machin qu'on trouvera ici. Hein. C'est pas ici, c'est pas du tout ici. Il n'y a pas des zombies sous l'eau et des sangsues. Tout à fait, ouais, c'est ici, c'est ça. C'est Spencer qui met en place le virus T, qui crée le virus T. Hein. Spencer, mine de rien, enfin. Spencer. Marcus. Spencer. Spencer, c'est juste un businessman en fait. Marcus, lui, c'était un génie. Mais pour le coup, véritablement génie. Un génie du mal, mais un génie. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Alors, pour chaque problème, il y a au moins deux solutions. Tiens, je te donne mon flingue. Certains, si. Ils se déchampent parce qu'il fallait les cramer en fait. Donc en gros, t'as décidé de pas utiliser mon arme. Bon, moi je la récupère. Hein. Bon, on les a bien alignés, mais de rien. On n'est pas allé là, on va aller voir. Je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'il y a ici. Bah oui, oui, les zombies. Enfin, galère. Hein. Ah, mais c'est ici. Ah oui, c'est ici, je suis un débile. Oui, alors ici, très important. Parce que c'est la suite des opérations, c'est par là, si je ne me trompe pas. Là, il y a un truc. Il y a des trucs à mettre, des machins, des trucs. Et là, on peut pas. Je crois qu'on peut pas accéder là, je crois. Portez vous voyez, mais il n'y a pas de serrure. Ouais, c'est il faut les. En gros. Vas-y. Vas-y, Billy.
est-ce qu'il y a des trucs que tu peux pas laisser, tiens. Et on va commencer à laisser des trucs. En gros, ici, limite, je pourrais commencer à faire l'opération, mais en gros, ici, c'est là qu'il faut laisser les objets pour plus tard. Limite, je devrais faire du rapatriage et pâturage. Ok, oui, c'est vrai qu'en plus, vu la map, je savais que c'était ici. Il n'y a pas de coffre dans celui-là. Oui, il n'y a pas de coffre dans celui-là, en fait. Tu peux laisser les objets au sol, mais tu n'as pas de coffre. Par contre, t'as quand même deux personnages qui ont 6 emplacements chacun. Donc, bon. T'es un peu moins en galère de... Ah, j'ai deux clés, je peux pas prendre le petit disque dur, quoi. Je me souviens vraiment plus. Ouais, t'inquiète. Je pense qu'on va faire un petit peu une petite opération de rapatriage. Je l'ai fait qu'une fois. Ouais, bah, écoute. Oui, forcément. On va essayer de gagner de la place avec. Voilà. Une grosse combi. Là, il faut. Le grappin, ouais, va falloir le rapatrier. D'ailleurs, t'en es où au niveau de la place? Le grappin te prend 2 emplacements, le machin. Ok. Ouais, on va prendre l'herbe bleue. C'est une herbe bleue. Il y aura encore une opération de rapatriage à faire, mais on verra ça plus tard. Hein. Parce que là, on va se faire chier. Hein. Par contre, t'es chaud sur Among Us, Nemesis. On en parlait avec le mousse la dernière fois. Alors, autant je peux comprendre. Hein. Moi, sur certains jeux, je peux y jouer des heures sans me lasser. J'ai fait qu'une fois, ah oui. Autant Among Us, une partie de temps en temps, mais coin trop n'en faut, quoi. Allez, on a rapatrié quelques trucs, c'est bien. Je pense que ça suffira. Vous voir sa qualité des personnes présentes, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je ne fais pas partie des gens qui jouent en ces derniers temps, donc la qualité ça envoie augmenter. Oui, j'aime bien, mais je n'organise plus. J'entends que les gens demandent. J'ai vu, ouais, c'est compliqué. Après, j'ai pas une. Moi, j'ai honnêtement, j'ai. Je pense qu'il y a plus une grosse commu Among Us chez Le Mousse ou Dernier Nas que chez moi. À part notre cher Pelmeshka. On s'amuse bien surtout. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, ça, on a bien visité. Allez, on va peut-être aller dans la cave. Into cave. Alors. Tu as oublié mon nom pendant un quart de seconde? Non, pas du tout. Ah, la migale. Ah ouais, non, les migales géantes. S'il y a bien une saloperie dans ce jeu, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais tire sur la migale, espèce de débile! Mais tire-lui dessus! J'ai plus de munitions fusil à pompe.
On est pas bien. Fais voir. Mais recharge, espèce de débile, là. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que là, on est dans la merde. En plus, je me suis fait blesser. C'est fermé. Ah non, c'est cette partie-là de merde. Oh non. Ah non. Ah, j'aime pas. Alors, maison de correction, liste des prisonniers. Yatuka décédé, corps détruit. Midge D décédé, corps détruit. Case, machin, conservé en tant que spécimen. Savage, transféré au centre de recherche. Rex, machin, transféré au centre de recherche. David, machin, conservé dans le machin. Ouais, ouais. Il y a plein de trucs, corps détruit. Laboratoire d'Aclay, ouais, machin. Gary, hein, Scott, Michael, Kerry, machin, Roberts. Les années transférées sont effacées du registre. C'est juste pour se donner un petit peu dans, se mettre dans l'ambiance. Utiliser. Non, tu utilises directement. Ça me fait plaisir. Toi, tu vas prendre l'herbe bleue parce que. Ah, je peux changer comme ça. Ah, oui, d'accord. C'est excellent. On va sauvegarder parce que là, c'est opération galère. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer là-dedans, je vais tomber ou je sais pas quoi, il y a une histoire comme ça. Les billets doivent me sauver. Et alors, faut aller dans un endroit, tu te dis, bah, faut aller là. Ou... Ah ah! Service. Time to go inside. Et alors, si je me trompe pas, voilà, j'ai une énigme. Alors, j'ai ça. Régulateur d'électricité. En raison des derniers orages, le régulateur d'électricité est toujours hors service. Ce ne serait pas vraiment problématique si l'équipement de la salle à chaudière n'était pas sur le même réseau. L'équipement est si endommagé que je vais devoir le réparer régulièrement. Pour sortir rapidement, régulez l'indicateur sur 70. Vérifiez d'abord que tout est connecté à la chaîne. C'est fermé. Donc alors, si je me trompe pas, ici, il n'y a rien. Il n'y a pas d'objet, il n'y a rien, tout ça, machin. J'aimerais bien regarder sur la carte où est-ce que je suis. Donc là, on ne sait pas où est-ce que je dois aller. Et alors, si je me trompe pas... il faut pas que je passe par ici pour aider Rebecca. Il faut que j'aille je sais pas où. Je sais plus.
Je dis bas. Hein. Au bas, au bas. Au bas, au bas, hop. Celui-là, bas. Et celui-là, haut. Regardez. Ah non, c'est pas bon. Ah bah c'est super, c'est super. Même dans les anciens, ils avaient fait une meilleure énigme. Enfin, c'était plus simple. Là, beaucoup, là, pas assez, là, pas machin, là, pas truc. Là, pas dite. Alors, c'est simple, hein. C'est très facile. Donc, celui-là, il vaut 70, à peu près. Donc, celui-là, ça va être du plus. Le 3, ça va être plus, ça va être haut. Ensuite, les autres, il faut que ce soit à égalité. C'est simple, hein. Si je suis là, je rajoute ça et ça. Donc, si je fais haut... Ah merde, il fallait que je fasse peut-être bas, bas. Haut. 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 Et bas. Ça marche pas. C'est la merde. Bon, on va tester haut, mettons. Mettons. On va retester haut. Je suis sûr que à un moment donné, ça fonctionne. Là, regardez. Un petit bas. Ensuite, encore bas. Et là, haut. Ouh, 50. D'accord, ça fait la moitié. C'est de la merde. Mais c'est bon, on a compris. Bon, il suffit de faire 2-3 tests et ça fonctionne. Merci. Et là, non, il faut aller là, en fait. Je crois. Il faut aller là. Il faut pas se dire, je vais aller aider Rebecca. You are wasting your time. I have already claimed this place for myself. Which means you are trespassing, and I am very territorial. Just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. Oui, but if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman.
As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. Oh, I can't.